si moi je devais retenir quand même quelques petits éléments clés de réussite, en tout cas que moi j'ai vécu, et puis vous prendrez là, puisqu'il y a plein d'entrepreneurs donc, qui vont défiler, si j'ai bien compris, chacun vous dira sa version et aura ses propres clés de réussite, et je crois que c'est vraiment très personnel. Il peut y avoir des bases communes, mais c'est quand même très personnel. Donc oui, je dirais, je reprendrai un peu ce que vous disiez tout à l'heure, oui, il faut avoir une approche disruptive, c'est-à-dire qu'il faut essayer toujours de changer de focale, changer d'angle de vue, vous dire, cette pomme, tiens, si je croque un bout dedans, ça pourrait faire un logo Apple. J'exagère, c'est une bêtise que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est toujours avoir une approche disruptive, quel que soit le sujet que vous abordez, ou le problème. Que vous soyez, encore une fois, en train de copier une idée, essayez quand même de trouver de l'aspérité. Hein, donc là, je me contredis un peu avec ce que je disais tout à l'heure, mais trouver de l'aspérité. Ne cherchez pas à faire totalement original, mais trouver de l'aspérité qui va vous permettre effectivement de faire la différence. Et idem, bien entendu, si vous cherchez une nouvelle idée, ben, on trouve parfois des idées à partir d'idées existantes, mais en ayant une approche disruptive de cette idée, en la prenant sous un autre angle. Hein. Si là, je me déplace et que je me fous au fond de la salle, c'est sûr que je ne vais pas du tout avoir la même vision de ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est ça que je recommande très souvent, moi, quand on me demande un petit conseil sur ce genre de sujet. Après, ce que je disais tout à l'heure, il faut faire preuve d'agilité. Mais pas seulement d'agilité en cherchant « ouais, je suis rapide, machin et tout ». Non, c'est d'agilité aussi dans le sens « ne soyez pas têtu ». C'est-à-dire que, et ça vous le faisiez remarquer tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, on lance une boîte sur un concept, sur un business model, et puis on réussit sur un autre business model. Et des fois, la boîte n'a plus rien à voir avec ce que vous aviez vendu à vos investisseurs au démarrage, ou ce que vous étiez vendu à vous-même. Et des exemples, dans mes entreprises, je peux vous en citer 50, mais dans l'histoire des entreprises, il y en a plein également. Après, je dirais, dans les conseils comme ça de réussite, c'est tout ce qui tourne autour de la communication. C'est de savoir faire savoir. Bon, ça, on a dû vous l'expliquer 100 fois dans vos cours et tout, donc je suis désolé de ne pas être très original là-dessus, mais c'est quand même capital. Parce que vous pouvez faire des choses formidables, si personne ne le sait. Et puis, également, très important, c'est de toujours savoir s'entourer de collaborateurs qui sont meilleurs que vous dans leur domaine. On ne vous demande pas d'être des spécialistes, on vous demande d'être des bons généralistes. N'ayez pas de jalousie, d'orgueil, d'ego, de choses comme ça. Que des gens meilleurs que vous autour de vous. C'est votre chance de réussir. Si vous prenez des gens moins bons que vous, déjà que vous n'êtes pas très bon, alors imaginez. Et puis je dirais, juste pour finir, et puis ça pourrait durer comme ça sûrement très longtemps, hein, et si on interrogeait plein d'entrepreneurs là dans la salle, ils auraient chacun leur clé de succès. Je dis, savoir écouter, savoir arbitrer, savoir se laisser influencer. C'est pas une marque de faiblesse, hein, de savoir se laisser influencer parfois. Mais en tout cas, une chose capitale, c'est décider. Vous écoutez, vous arbitrez, vous vous laissez un peu influencer, ça vous fait réfléchir, mais à un moment, il faut décider. Il vaut mieux 100 fois prendre une décision qui peut-être est une mauvaise décision que de ne pas en prendre du tout, parce que celle-là, on est sûr que c'est une mauvaise décision. Voilà un peu, moi, les petits conseils que je pourrais me permettre de donner sur les clés de la réussite, enfin, je ne sais pas. Tout ça était un peu trop pompeux pour moi. Mais enfin, voilà, des petites touches comme ça qui peuvent permettre éventuellement d'avancer ou de profiter des erreurs des autres.